Hey, bienvenue les amis dans la suite du Let's Play sur The Witcher 3. Si vous avez raté la première partie, c'est pas grave. Je vais vous faire une petite vidéo justement tout de suite récapitulative de ce que vous avez raté sur la quête principale. Vous n'avez pas raté grand chose, rassurez-vous. On enchaîne direct juste après sur le Let's Play qui fait bien. Dans cette première partie de Let's Play, nous avons été à la recherche d'une demoiselle nommée Yennefer. Nous avons appris qu'un mercenaire local, un petit chef, voilà, avait entendu parler d'elle, il l'avait vue, et avait l'information de où elle se trouvait, mais il nous donnera l'information que si et seulement si nous nous débarrassons d'un griffon, qui fait vraiment très peur aux villages locaux. Donc le but va être donc de tuer ce griffon et rapporter évidemment sa dépouille au mercenaire afin qu'il nous puisse nous dire tout ce qu'il sait sur Yennefer pour retrouver la belle demoiselle. Demoiselle avec lequel nous avons fait un rêve dans lequel Ciri, notre petite protégée, se fait attaquer par la chasse sauvage, notre ennemi de toujours. On reprend donc le let's play juste avant l'attaque du griffon. J'espère en tout cas que ça vous plaira. Retrouvez à chaque nouvel épisode un récap de la session précédente, comme ça vous ne serez pas perdu même si vous prenez un épisode en cours de route. Bisous. Et de retour, j'espère en tout cas que ce petit récap vous a intéressé, ça résume un petit peu la situation. Grosso modo, on chasse le griffon. Cette session là de 10 minutes, j'ai déjà fait, j'ai juste perdu la vidéo, donc on l'a refait pour que vous puissiez évidemment ne rien rater à l'histoire, c'est le but. Et ensuite, je vous conseille en tout cas de regarder la suite du let's play parce que je me suis absolument régalé. Le genre difficile est vraiment intéressant. Ils ont dû la surprendre dans son sommeil. La difficulté, etc. est vraiment bien. La mesure du bec et des poils gris dans la fourrure, elle devait avoir 10 ou 12 ans. Les griffons s'accouplent pour la vie. Le mâle doit avoir à peu près le même âge. Rachis épais, pointe dense, c'est un griffon royal. Voilà pourquoi le mâle était aussi agressif. Il a commencé par chasser les nymphes gardiens dans la forêt, avant de s'attaquer au reste de la région. Parfait, donc là il va s'agir de récupérer du coup une petite plante qui sent mauvais dans l'eau. Il n'y a absolument pas de mob, il n'y a rien du tout. Et puis après on ira directement rejoindre Vesemir pour aller pull le petit griffon à nous, pour pouvoir faire le combat presque, le combat final avec le griffon, enfin quoi j'ai envie de dire. Donc restez connectés, on se trouve tout de suite. Petite ellipse pour pas que vous voyez en gros un mec récupérer des plantes dans l'eau quoi. Dans sa quête de Yennefer, ami et amour d'antan, Geralt arriva au village de Blanche. Dites-moi, mon brave. Et de retour pour aller justement parler à Vesemir par rapport au fameux contrat sur le griffon. Une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le capitaine de la garnison sait où Yennefer est parti. Et la mauvaise, c'est qu'on va devoir tuer le griffon à sa place. Qu'est-ce qu'il pourrait bien demander d'autre à deux sorceleurs? Vas-y, dis-moi tout. Le griffon a abandonné sa tanière, on va devoir lui tendre un piège. Et ça donne quoi? J'en sais un peu plus sur lui. C'est un mâle qui avait fait son nid dans le bois vulpin. Les Nilfgaardiens ont brûlé la forêt, tué la femelle et détruit les œufs. Il pensait avoir réglé le problème. C'est toujours la même chose. Au lieu de faire appel à des professionnels, ils ne font qu'empirer les choses. J'ai trouvé le nerf point. L'odeur est assez puissante. Ça devrait fonctionner. Tu veux dire que ça pue, oui? Espèce de citadin. La viande pourrie, le fumier, la pisse. Tout ça, ce sont les bonnes odeurs de la campagne. Ça me rappelle le jour où tu as poursuivi un zeugle jusque dans un tas d'ordures à Tretogor. Tu t'es savonné pendant une journée pour faire partir l'odeur. Tu comptes me rappeler cette histoire jusqu'à la fin de mes jours? Tout est prêt. On peut commencer quand tu veux. Excellent.
Donc on va aller directement installer une pièce pour couler le petit griffon. En tout cas, j'espère que la qualité de l'image vous plaît davantage, puisque là, normalement, c'est beaucoup plus joli. Et tout ça, évidemment, on fait les différentes sessions en live. Personne ne viendra nous déranger. Parfait. On se retrouve là-bas. N'hésitez pas d'ailleurs à récupérer mon extension Firefox et Chrome. Et si vous voulez savoir, tout simplement, quand je suis en live, pour avoir l'information, parce qu'il y a pas mal de gens qui m'ont dit « Ouais, on sait pas trop et tout. » Prenez l'extension et vous pourrez savoir tout le temps quand je suis en live. Évidemment, je lis sur Facebook et Twitter, mais Facebook et Twitter, voilà, si... Enfin, surtout Facebook. C'est difficile de voir déjà tous les messages, etc., tous les posts. En taille, on y a vraiment... Alors, je prends un raccourci, je sens que ça va fail. Easy. Non. Le mec fait la course et tout. Un ruisseau, des champs de blé. Quel endroit charmant. Idéal pour une embuscade. Tu as affaire à un expert. Alors on y va. Allons-y. Le vent est favorable. Le griffon n'aura aucun mal à sentir l'appât. Et maintenant, il ne reste plus qu'à attendre. Viens, on va se cacher à l'ombre de ces boulons. Dis-moi, une fois qu'on aura trouvé Yennefer, tu vas faire quoi? Tu as un contrat en vue? Non. Je vais rentrer à Kaer Morhen. C'est un peu tôt pour hiberner, non? La neige tarde à venir, je sais. Et justement, ça m'inquiète. L'armée du Nilfgaard a traversé le Pontar à l'est. Elle est à une semaine de marche de Kaer Morhen. Si elle atteint la vallée avant les premières neiges... Enfin bref, il va falloir masquer les traces de notre passage. En parlant d'hiver et d'hibernation, tu comptes venir cette année? Mais par les vacances, au calme. Peut-être. Tu comptes venir pour les vacances? Avec une invitée, j'espère. Ouh. On va serrer, les gars. Le pire. Bon, le petit griffon, le voici, le voilà. Arbalète, calme. Une arbalète? Je l'ai gagné aux cartes en t'attendant. Ça pourrait te servir. Tiens, tiens, tiens. Ce n'est pas toi qui nous faisais la morale sur les vices du jeu? Oh, ça va. On a un griffon à tuer, je te rappelle. C'est ce que j'ai pas ce que je fais, quoi. Bon, deux petits griffons. Attention! C'est parti pour les petits griffons d'or. Attention parce qu'il fait quand même très très mal. Hein. C'est avec le boubou, on tourne autour. Parfait. Il va te manger. Ah, tellement classe. Allez, on va essayer de faire une cible. Il est bas. Il s'est penché les yeux. Ok, bon, il a bien pris cher. Ne le laisse pas s'enfuir. Ok. Bon, je fonce quand tu veux. Hop là. Vite. Putain, moi je pensais qu'il allait monter en mode salto et tout. Pas du tout. Nickel, on est parti. Un bon petit champ plein de fleurs là. Excellent. La petite tour du début qui nous avait fait peur au début, enfin qui était bien, bien sombre, etc. Let's go. Ah merde, putain. Vraiment que je l'arrange. Oh, je vais prendre cher là. Attention. On va me prendre un bon combo vénère là. Oh bâtard. Non. Non. Oh bâtard. Wow. Oh, j'ai eu chaud là.
clairement ça fait mal, hein. Il me touche deux fois, je suis mort. Quoi. Les bas. Le coup, c'est pas respecté, quoi. Allez, tape, papy. J'ai l'impression que plus le HP plus tant, quoi. Waouh, ça c'est vénère, hein. C'est le moment. C'est le moment. Ah, yes. Il a pris cher quand même. C'est bon, c'est la fin. Excellent. Parfait. On a buté le petit griffon royal. Excellent. Gigi. Pas mal. Pas mal. Tu as encore quelques points à travailler, cela dit. La vie est un éternel apprentissage. Pas pour un sorceleur. Surtout s'il veut vivre vieux. Mais bon, on verra ça plus tard. Apporte la tête du griffon aux escadrons noirs, moi je vais préparer les chevaux. On se retrouve à l'auberge. Parfait. Donc là on va récupérer la testas. Et on va la récupérer, la ramener du coup au chef tout simplement. On fera du coup une ellipse pour ne pas montrer du coup la course. On arrivera directement ensuite sur le chef et on va voir du coup qu'est-ce qu'il va nous dire par rapport à Yennefer. Ça c'est vraiment trop bien fait, hein. La testas à côté du cheval, c'est vraiment excellent. Voilà. Petite ellipse. Et de retour, nous voilà donc arrivés du coup à l'endroit où on doit déposer tout simplement la tête de griffon. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Du seigle. Non mais tu crois que je suis aveugle? Ou stupide peut-être? Ces gras sont pourris. J'en savais rien. Bordel, vous n'apprendrez donc jamais. Code militaire, article 2, alinéa 3. Pour la livraison de marchandises avariées, 15 coups de fouet. Exécution! Non! Par les dieux, pitié! Pauvre. Quoi? J'ai fait ce que j'avais à faire. À votre tour maintenant. Où est parti Yennefer? À Vizima. Depuis tout ce temps, elle était à une journée d'ici, juste sous mon nez. Vous auriez pu me le dire. J'aurais pu, oui. Mais vous n'auriez pas tué le griffon. On n'a rien sans rien. Attendez. Quel salaud, quoi. Le gros bâtard. Attendez. Tenez. Ah, quand même. C'est votre or. Je ne voudrais pas que vous pensiez que je vous ai floué. Non, merci pour l'or. Gardez tout. Gentlemen. Excellent, niveau 3, et bien GG Wellplay. On va tout simplement améliorer le sort de bouclier. Et on enchaîne directement avec la reprise de l'aspect du coup réalisé lors du live. J'espère en tout cas que ça vous a plu, ça enchaîne directement. A tout de suite, et à chaque nouvel épisode, évidemment, vous aurez un récap. Si jamais vous ratez du coup une partie de l'épisode, sachez que vous pouvez toujours récupérer le let's play en cours de route grâce au récap. Bisous. Alors en gros on cherche du coup la magicienne. Elle était en fait à Wizima juste à côté de chez nous. On vient de la prendre parce qu'on a réussi à compléter une quête d'un mercenaire local en fait tout simplement. Il nous a demandé de tuer un griffon. On a chassé le griffon, on l'a appâté avec des espèces d'herbes qui puaient bien les bêtes pestiférées. Et puis en plus du coup après on a récupéré du coup une arbalète qui a été donnée du coup par notre collègue. Grosso modo c'est ça.
Le jeu est particulièrement joli. Il est très, il est pas évident. Clairement, il est pas évident. En plus, on joue en difficile, donc ça va pas faciliter la tâche. Et voilà. Donc, grosso modo, c'est ça. Donc, si vous avez des questions, les amis, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors, c'est un monde ouvert, un peu à la Elder Scrolls pour ceux qui connaissent Skyrim, etc. Donc, Morrowind, Oblivion. Vous avez du coup des potions. Alors, je crois que les potions se recherchent quand on dort, il me semble. En tout cas, je crois que c'est ce que j'avais cru comprendre. On va travel là par contre. Alors, je sais plus. Par contre, je me fais très mal par contre au bouton. Parce que pour moi, le bouton tab est le bouton pour travel. Hein, mais. Carte du monde, voilà. Donc, c'est virgule. M comme map, probablement en QWERTY. Du coup, alors nous sommes là. Je me souviens plus du coup, on en était dans la quête. On doit aller certainement à Wizima, qui est donc la ville à côté. Ok, Lila et Groseille, ouais, c'est ça. Alors, ça, c'est un truc pour Vous devez trouver un carrefour de voyage rapide. Voilà, donc, ok. Donc, en gros, là, pour voyager rapidement. Pour se TP en gros sur la map, il faut aller du coup dans un truc qui vous TP évidemment. Les défauts du jeu pour toi, alors là difficile à dire, je pense par contre qu'il faut une bonne bécane. Le défaut c'est surtout que. Enfin, je sais pas, hein, j'ai pas une. Enfin, j'ai une très très bonne bécane, j'ai pas le souci. Oh merde, non! Oh putain, j'ai pas fait exprès. Oh, c'est là, j'ai failli me faire bolos. Donc en gros, ce que je voulais dire, c'est que je pense qu'il faut une bonne bécane. Après, moi, en streamant, plus local record, plus machin, évidemment, ça consomme énormément de ressources, beaucoup plus que ce que c'est censé consommer. Mais voilà. Ça dérange pas si je joue à la manette. Non, je pense pas. Moi, je joue sans manette. J'aime bien jouer avec clavier, mais je sais que ça dépend des personnes. En tout cas, graphiquement parlant, il est vraiment magnifique. Alors, je rentre sur tout le monde, hein, c'est vraiment terrible. Moi de mon côté là, je vous avoue que je lag plus, enfin je rame un peu plus que quand je jouais hors stream. J'avais essayé hors stream, il n'y avait pas un. Ça laguait, ça rêvait pas du tout, mais là comme il y a un flux en plus, ça consomme un peu plus de ressources. Mais je pense que je peux jouer là. Le but c'est quand même que ce soit joli. Vizimir. Yennefer est à Vizima. J'ai quelques amis là-bas. Alors. Y a un problème? Regarde autour de toi. Je me réduirai. Ce sont les ennuis. Ah oui. Alors allez, je vais malta vite fait, je vais juste me réduire un petit peu. Parce que là ma tête n'est pas très importante. Hop. Tac. On se met comme ça. Parfait. On fait mieux de partir alors. Qui sont-ils? Qui sont-ils? Des patriotes. Après 6 ou 7 tournées en l'honneur de Temeria, ils sont d'humeur bagarreuse. Je ne vois pas de Nil Gardien. Dans ce cas, ils trouveront quelqu'un d'autre. Je vais acheter des provisions pour la route. Ensuite, on pourra y aller. Geralt, pour une fois, reste en dehors de tout ça. Il va se faire bolosser, c'est sûr. Ils sont passés où, les lys? Je les ai décrochés. Décrochés? Pour mettre un soleil impérial à la place? Je ne peux pas afficher les couleurs de la Temeria. Ils brûleraient l'auberge. Alors c'est peut-être vrai ce qu'on raconte. Que tu fricotes avec les soldats. Que t'es la pute de Nilfgaard. Je connais ta peine. Je sais que tu ne penses pas ce que tu dis. Tu connais rien du tout. Ils ont pendu ma sœur. Ils l'ont traînée hors du cloître comme une chienne. Ils ont dit que Nilfgaard n'avait pas de place pour les superstitieux. Qu'il ne craignait pas la colère des dieux. Et toi, tu la crains? Sans Annie, ton bébé serait mort, étranglé par son cordon. Ton fils doit la vie à ma sœur, t'entends? Et tu crains pas la colère des dieux? Tu la crains pas, salope? Elle est sérieuse, elle? Déchez-moi la paix! Vous voyez ce médaillon? Vous savez ce que c'est, non? Reculez. Tout va bien? Il paraît que les sorceleurs enlèvent les enfants. C'est vrai? Il vous a promis quoi, l'empereur? De l'or? Des terres comme aux elfes? Sortez, tout de suite. On bougera pas d'ici. Oh my pareil god. Pour vous. Je crois qu'on a plus. Je crois aussi. Et tout chier. Arrachez-lui les couilles! Alors, en gros, mon bouton clic droit, c'est une parade. Ok, bon, il pue la merde, en fait. D'accord, ok.
Ok, je me demande à des mecs forts, mais en fait ils sont vraiment dégueulasses quoi. Oh le bâtard! Ok, bah, c'est pas équipé ça, mais. Moi je les aurais assommés, hein. Chacun sa technique, les gars. Ça va aller, c'est fini. Me touchez pas! Allez-vous-en! Pourquoi il lui serre la main à elle? Il est sérieux? Je l'aurais découpé aussi, moi. Son regard, les dieux nous protègent. Partez. Et ne revenez plus jamais ici. Pour ne pas s'en mêler, c'est raté. Débat. Ah oh merde, non, j'aurais peut-être dû. Ah, oh, je suis deg, j'aurais dû. Oh, je suis peut-être con. Fallait peut-être pas que je les tue, fallait peut-être que je leur fasse le sort pour les CC. Ah oh, merde, putain. Casse les couilles. Ah oh. Toujours des excuses. Décidément, tu n'as pas changé. Nice. Elle est fraîche de ouf, hein. Elle est passable. Mais comment? C'est la meuf qui cherche. On m'a rapporté la présence d'un sorceleur à Blanchefleur. J'ai tout de suite su que c'était toi, que tu me cherchais. J'aurais pu attendre que tu me retrouves, mais tu me connais. La patience n'a jamais été mon fort. Je suis contente de te voir, Gérald. T'es mal à t'être kiffé, il est trop fan. Je pourrais même t'étreindre si tu n'étais pas couvert de sang. Désolé, je ne m'attendais pas à te voir ici. Pour tout te dire, j'avais imaginé nos retrouvailles autrement. Vas-y, Gérald. Gérald. Je n'avais pas imaginé te voir escorté par des Nilfgaardiens. Désolé, Yennefer. Je suis content de te voir, moi aussi. Mais je crois que tu nous dois des explications. Et vous en aurez, ne t'en fais pas. Une fois à Vizima. Allez, Ansel. Wow. J'ai passé les 6 derniers mois, Ansel. Et je ne t'ai pas vu depuis 2 ans, Yen. Tu ne crois pas qu'on pourrait au moins... Malheureusement, c'est impossible. Quelqu'un a demandé à te voir, Gérald. Quelqu'un qui n'aime pas attendre. L'empereur Émir Var Emreis. Ou, pour ses proches, la flamme blanche qui danse sur la tombe de ses ennemis. Je ne fais pas vraiment partie de ses proches. La dernière fois que je l'ai vu, il voulait me tuer. Ça n'a pas changé. Eh bien, aujourd'hui, il voudrait te faire une proposition. Du genre qu'on peut pas refuser, c'est ça? On peut, mais j'ai préféré accepter. Moi, je pose des questions. Si tu as accepté, c'est que la proposition devait être intéressante. En temps normal, rien ni personne ne pourrait te faire renoncer à ta liberté. Plus tôt nous partirons, plus tôt tu seras fixé. Et toi? Nos chemins se séparent ici. L'invitation de l'empereur ne me concerne pas. Et puis, je dois rentrer à Kaer Morhen, tu te souviens? Oui, je me souviens. Merci pour ton aide, Vesemir. À très bientôt. Oh non, je l'aime bien, lui. Ton cheval, il est rapide? Bon, il est physiquement moins... Pourquoi? Ne traînons pas. Je me sentirais plus en sécurité derrière d'épaisses murailles. Il a les groseilles à macro. Ouais. On a pas encore eu le vrai succès là, hein. C'est trop tôt. Merci beaucoup, Divi, c'est vraiment gentil. Merci à toi, mec, c'est vraiment sympa. Il me disait qu'il adorait ce que je faisais et que ça mérait sans cesse. Mais merci, mec, c'est vraiment sympa. On va se faire attaquer, c'est obligé. Hey, tu regardes quoi là? Ah, qu'est-ce qu'elle monte bien. J'avais de quoi, y'a pas de temps. Te connaissant, ça devait être un rêve, Salas. Oh putain, elle te chauffe, mec. Ensuite. Ah.
shit. Holy shit, j'ai pas envie de jouer là-dedans, moi. J'ai pas demandé ça, les gars. Oh la putain, va tuer ses teammates. Ah non, c'est pas ses teammates. Ah, c'est méchant. Balèze. What the fuck? Putain. Elle m'a fait des éclairs quoi. Genre tu sais quand elle est beaucoup trop tendue, tu sais, elle te lâche un petit éclair de foudre. Oh, dans sa quête de Yennefer, ami et amour d'antan, Geralt arriva au village de Blanchefleur. Ouais, attends, tu fais ma gueule, la magicienne semblait toute proche. Pourquoi il parle de ça? Elle demeurait pourtant introuvable. Je passe du coup. Enfin, avec l'aide d'un commandant de garnison impériale, Geralt apprit que Yen était en réalité non loin, à Vizima. Oui. Ah oui, ça va. Alors, en même temps, j'ai carré quoi. Je veux dire, je l'ai chauffé, tu vois. Je lui ai dit, j'ai rêvé de toi, fais des éclairs. Oh bâtard! Comme un prince quoi. C'est acceptable. Il regarde des coups. Attendez, il a regardé ma bite là. Il est sérieux. C'est vraiment qu'Emir se soucie de ma propreté. Monsieur est prié de se référer à sa majesté impériale par son titre complet. Ou de s'abstenir. Si monsieur veut bien s'asseoir... dans la quoi? Dans ce fauteuil. Edwin, rasez notre invité. Un demi-pouce de favori, pas plus. Oh, tu te fais bolosse de ouf. Ma barbe ne vous plaît pas? Oh non, c'est mort. Hein. Doute ma barbe ne vous plaît pas? Je trouve que ça me donne un air plus digne. Sans doute, monsieur, mais au détriment de votre élégance. Au Nilfgaard, les barbes sont peu appréciées, surtout quand elles sont infestées de poux. Je suis sur la route depuis un bon moment. D'accord. Allez-y. Relevez la tête, je vous prie. Et ne bougez plus. Oh, ça va être un petit bébé. Ça va être un petit bébé. T'es bas. Et préparez-vous à... Putain, toi t'aurais bien une barbe. Question. Général, j'ai bien peur que ce ne soit pas le moment approprié. Au contraire, c'est parfait. Rien de tel qu'un rasoir sous la gorge pour délier une langue. What the fuck? Morvran Voris, commandant de la division Alba. Avant votre audience, sorceleur, j'aimerais vérifier certaines informations. C'est une simple formalité, mais elle est nécessaire. Oh, le fils de... La paperasse. C'est important. Bien. Geralt de Rive. Lieu de naissance, inconnu. Parents, inconnu. Âge, inconnu. Des détails sans importance, en somme. En revanche, j'aimerais en savoir plus sur le siège du château de la Valette. Et plus précisément sur le sort de son commandant, un certain Arian. Holy shit. Holy shit, la question, mon gars. Alors, après la lune, qu'est-ce qu'il y a? Je pense que je l'ai épargné. Enfin, en tout cas, moi, je l'aurais épargné. Après, bon, voilà. Nous n'étions pas dans le même camp, c'est vrai. Et nous nous sommes retrouvés dans le même cachot. Il s'est évadé, sans avoir oublié de mettre le feu au château. Ah, c'est donc lui qui était à l'origine de l'incendie. Nos sources suggéraient que le dragon en était responsable. Bien, passons. Après ça, vous avez trouvé refuge dans la bucolique Flotsam avant de rejoindre Vergen. Je serais curieux de savoir comment. Donc oui, c'est certainement le choix du 2. Le problème, c'est que le 2, je l'ai pas été aussi loin. Donc, enfin, j'ai même pas fait le 2. Donc, du coup, c'est la merde. Alors, attends, je suis parti de Flotsam avec Vernum Rush. Est-ce qu'elle m'a aidé? Non, elle m'a pas aidé. Hein. Je suis parti avec Vernum. Vernum, ça m'est cool, quoi. Je suis parti de Flotsam avec Vernum Rush, commandant d'Estrie Bleue et. Et tueur de non-humains. Oui,
Je connais bien cet individu, sorceleur. Vous avez des alliés... intéressants. Et quelque chose me dit que ce n'est pas fini. Bon. Question suivante avant que ma barbe ne repousse. Eh bien, si c'est le cas, nous vous raserons de nouveau. Très bien. Parlez-moi du sommet de Lochmuin. Quand on a fait la truc, elle... a fourré encore une fois votre nez dans les affaires des puissants. Je devais sauver Triss. J'ai aidé Roche à sauver Anaïs. Ah non, je sauve Triss, moi. Triss Merigold compte beaucoup pour moi. Vos puissants auraient dû y réfléchir avant de la capturer. Sans doute. Mais en la libérant, vous avez offert sur un plateau le contrôle du Conclave et du Conseil des Mages à Radovid. Le Nilfgaard vient d'entrer en guerre sans provocation, non? Alors épargnez-moi votre morale à dessous. Ne bougez pas, monsieur. Coup de pression. J'ai presque terminé. Vous êtes mal placé pour jouer les Vierges Offusquées. N'est-ce pas vous qui avez regardé votre ami Sheila de Tancarville être réduite en charpie par un mégascope défectueux sans lever le petit doigt? Moi, non, tout le monde s'est échappé. Je l'ai d'abord laissé utiliser le mégascope. Mais en fin de compte, je l'ai sauvé. Le piège avait été tendu par votre agent, Leto de Gouleta. Notez ça, voulez-vous? Des erreurs dans votre paperasse, ça ferait des ordres. Oui, les intérêts nationaux nous poussent parfois à forger des alliances contre nature. Avec des sorceleurs, par exemple. Votre alliance est morte et Leto avec elle. Je l'ai tué à Lochmuin. Il paraît, oui. Et pour tout vous dire, vous nous avez rendu un fier service. Bien, ce sera tout. Votre signature, je vous prie, attestant que vous avez dit la vérité, toute la vérité, sous peine d'emprisonnement, de mort, etc., etc. Moi, ouais, putain. Ici et ici. Si les formalités sont terminées, signature, gros. Je dirais de bien vouloir quitter la pièce, général. Nous allons maintenant choisir une tenue pour monsieur. Et votre aide ne sera pas nécessaire. Putain, c'est nameless, le mec. Dommage, j'aurais pu vous donner de précieux conseils. Au revoir, Gérald. Bonne chance pour votre audience. Ah, ça va ? Il est devenu moins méchant d'un coup. On a répondu les bonnes réponses, les gars. Le jeu, c'est Witcher 3, exactement. Le jeu, il m'a mis un coup de tête. Mais ça, il s'est calmé, t'as vu ou pas ? Quelques griffures. Hein. Elle était coquine, mais elle était violente. J'ai l'impression de me préparer pour un mariage. Si tel était le cas, j'aurais préparé une queue de pie ou un veston de cérémonie pour monsieur. Oh, là, il est fringue, en l'occurrence, monsieur va devoir choisir parmi ses vêtements. Il n'y a pas de chemise ouverte ou quoi? Je sais la couleur du moment que c'est noir. Oh merde, où sont mes vêtements? Où sont passés mes vêtements? Là où ils auraient dû aller depuis longtemps, chez la blanchisseuse. Ils vous seront rendus après l'audience, lavés et amidonnés. Que monsieur me prévienne quand il aura choisi sa tenue. Il est gentil. C'est mignon. Habillez-vous, parlez. Ok, on va se regarder. Ok, parfait. Attends, de cicatrice, oui, ça va. Bah, ça c'était un tigre, ça c'est un loup du Bengale. C'est le pire. Ah, j'avoue, il a bien pris cher. Hein. Truc de ouf. Alors, let's go. Bon, ça c'est dégueu, hein. Ça je mets jamais ça, quoi. Enfin, j'aime pas les trois en vrai, mais bon. Ok, mes fringues sont un peu vieillots et elles sont pas ouf, mais là, de là à ne pas me respecter. Ok, celui-là. What? Comment ça là? Oh non! Ah merde! Ah, j'ai pas tout pris? Oh non, oh, je vais me voir faire baiser, faire un truc dépareillé et tout. Oh shit. Ensuite. Alors attends. Sauve-moi mon pote. Puis-je rappeler à monsieur qu'une serviette nouée autour de la taille n'est pas une tenue appropriée pour une audience. Il est énorme, lui. Attends. Par contre, on n'est pas venu là, les mains vides. Allez, boum, je mets le feu comme ça, qu'est-ce qu'il y a? On va quand même piller la salle, quoi. On est quand même un bon petit voleur. Ça, c'est de la merde. Juste looter, hein.
ramasser. Non ! Du pain et du parfum. Allez, boum. On va serrer ce soir, les gars. Ah, là, il y a quoi là-bas ? La commode, j'ai déjà vidé, je crois. Et là, là, il y a deux commodes. Opposition. Pipe. Un barbier. Une fiole. Des fleurs, oh, nice. Quartz. Et une tasse. Et hop, c'est parti. Où est-ce que je vais me fringuer là ? Est-ce qu'il est douillé lui ? Merde, comment on fait pour changer de fringue ? Vas-y, change de fringue, pote. Méditation du deck, c'est le personnage, artisanat, alchimie, inventaire. Inventaire, alors, on va prendre ça, et on va prendre ceci. Bon, c'est pas dingue, mais bon. C'est mieux que rien. C'est y part. Dommage que je sois trop. Bon, sauvegarde évidemment. J'ai quand même fait un choix de fringue, donc c'est quand même un moment important. Pas de rien, putain sa mère. Et on dit que l'habit ne fait pas le moine. Monsieur est-il satisfait de sa tenue ? Je serais satisfait avec un pourpoint clouté et une épée sur le dos, mais bon. C'est fini pour cet épisode, en tout cas j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore déjà fait. Vous pouvez aussi checker l'épisode suivant dès qu'il sera disponible. Je le mettrai du coup sous forme de lien pour que vous puissiez directement cliquer dessus. En tout cas, moi, ce jeu me régale énormément. N'hésitez pas aussi à prendre les extensions Firefox et Chrome si vous voulez savoir quand est-ce que je suis en ligne dans la description de cette vidéo. En tout cas, moi, je vous dis merci d'avoir suivi. Je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. Et allez checker voilà, les épisodes suivants si vous voulez faire le let's play avec moi. Bisous, je vous kiffe, love.